C'est dommage de s'entraîner toute la semaine, de préparer des choses et d'avoir. Après, ça fait partie des. Voilà, il faut s'adapter. Il était important à gagner. J'étais frustré à la fin. Je pense qu'on doit aller chercher un bonus parce qu'on avait pour une fois les rebonds avec nous, les décisions d'arbitre aussi avec nous. Et voilà, je regrette juste qu'on n'ait pas réussi à avoir le ballon, notamment cette mêlée, qui nous aurait permis d'aller chercher un peu plus. Mais vu les résultats de la soirée, les victoires à l'extérieur, donc de rester ici voilà, ce soir avec une victoire, c'est important. Vous regrettez parfois cette incapacité à marquer sur les temps forts. Ce soir, vous avez passé un petit cap, vous avez été pragmatique à certains moments du match. On est pragmatique sur des coups de dés, des jeux au pied, parce qu'on savait que c'était ça la solution. Et moi, c'est pas le jeu que je prône en général, mais là, on était obligé de s'adapter. Après, ce que je regrette, c'est qu'on a 5 ou 6 ballons portés mêlés dans le camp adverse, et à chaque fois, on est pénalisé ou on perd le ballon. Donc, on n'a pas pu mettre cette équipe sous pression. On la connaît, elle est pénible à jouer, elle est joueuse, c'est vrai qu'avec les conditions, elle n'a pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Voilà. On s'en sort bien, mais ça fait vraiment du bien. On va remonter dans le fameux ventre mou. Et on a besoin de ça pour accueillir Rouen avec sérénité. Ouais, justement, comptablement, ça fait du bien, mais il y a Rouen qui arrive. On sait que c'est jamais simple d'accueillir deux fois de suite. La première étape est faite, il faut recranter maintenant et reprendre des points pour se mettre à l'abri encore un petit peu plus. Non, j'ai l'impression qu'on a joué à l'extérieur, qu'on a joué à Biarritz ou à Bayonne, avec le temps qu'il faisait. Donc on va prendre Rouen, puis surtout je crois que les joueurs vont pas être... Il y a eu du combat, mais il n'y a pas de rythme, pas trop fatigué. Donc ça va être une semaine où on va pouvoir vraiment se concentrer sur notre prochain match.